Le phare de fil et de sainteté a détruit la famille. Il est clamé Dieu, c'est le chien de grâce, un bien, un temps saint, un abominé, un écoute de l'os, un humé. Io tu questi sfoglio tu tu mi acquare meno per questi qua si sta sentendo se mi trovo sempre una verità in tua mi sembra di essere non ti la russia anche molto mi sento un tuo e la tabna con tua ti trovo potuto altare di avermi significato in tutta me confidere vuol dire vincere la Dio Dio mio sui fatti non mi ricordo contro il vas me spira in Dio con i vostri confidere vuol dire di saltare i vostri smi e di smi non è parte figlio di spirito e santo si continua in principio ad un cazzo in pretensi secolo a secolo romano Dove verrà tale dei... Adempo di ricordi punto tamme. Artore del nostro minore dei domini. I figli ci ne metteranno. Confidio di potenza, beata Maria, sempre vicino, beata Michele, con gioia, ciò che sia santo, posso aspettare per parlare, non si sente come sia la testa. Che peccato viene in mescolazione, deve troppere. Mia colpa, mia maxima colpa. Il mio peccato, beata Maria, sempre vicino, beata Michele, ma con gioia, ciò che sia santo, posso aspettare per parlare, non si sente come sia la testa. Che peccato viene in mescolazione, Il giriato di un potente Dio, se mi si è spiegato, sto in mezzo a tutti gli altri in terra. Amen. Confidio di un potente, viati Marie, sempre vigili, viati Micaeli, Arcangelo, viati Mio Battiste, Santi Apostoli, Pietro e Paolo, Omnibus Santi, Santi di Pater, qui a peccato, mi scolazione del voto per lui. Mia colpa, mia colpa, mia massima colpa. Il Dio precor, viata Maria, sempre vigili, viati Micaeli, Arcangelo, viati Mio Battiste, Sono solo posto lo spirito met paulum, omnia santo zetti pater, ora la premia don Dio nostro. Miseriato vesti potenza Dio, se ti messi spiegati, vesti spiegato con la vita eterna. Amen. Amen. Il re del Signore, se sono la benedizione pregata dalla nostra, non ti va a trovare ogni potenza, misericordia dominus. Amen. Più sti converso, se edifica a vest nostra. Per tua età, per te ventei. O se de nobis, amine, misericordia, un tuo amè. E salutare tu non nobis. Domine exaudi orazione del mediano. Et clama minus a te venet. Domino suavis cum. Et cum spiritu tuo. Oremos. Io suo fama fuori che si concede sui veneno che mi cavi tu il plantaggio nome Domini. Iratus omnes Dei nostri. Bonum est confiteli, Domino psalm nomine teo altissime. Gloria Padre, Filio e Spirito e Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Iussus palma fori ibite, sicut de caelus libelli multiplicabitur. Plantatus in nomine Domini, in artis Domus Dei nostri. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria Ecclesiis Deo. Et in terra pax omnibus bonae voluntates, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratiamus tibi propter magnam gloriam tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filius et Spiritus Christi. Domine Deus omnes Deus, Filius Patris, Spiritus peccata mundi miserere nobis, peccatoribus peccata mundi, suscipere peccatum nostram. Qui seus ad extrema Patris, miserere nobis, quoniam tu solus, sanctus tu solus, Dominus tu solus, Santissimus Iesu Christe, con Sancto Spiritu, gloria Dei Patris. Amen. Dominus fabiscum. Et cum Spiritu tuo. Oremos. Sanctissime Genetis, est tu esponsi, gruesimus Domine, meritus adiuvemur, ut cor possibilitas nostra non obtienet, eius nobis intercessione donetur, qui vivis et res cum Deipati, Tatris, Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremos. Sancte nobis Christus, Domine, observatione segunia, et pia conversationes augmentum, et tue propitiationes continuum prestant exilium. Per Dominus mius Christus Filium tuum, prede convivite, venatate, Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Libri Sapientiae. Electus Deo et omnibus cuius memoriam benedictione est, similem illum fecit in gloria sanctorum, et magnificavit eum in temore inimicorum et in verbis suis monstra placavit. Glorificavit in omni conspectu regum,
et tu cite les corps populo suo, et ostenti le gloriam suam. Infide Trinitate, Ipsius sanctum fecit illum, et elegit eum ex omni carne. Audivit enim eum et vocem Ipsius, et inuxit illum in nubem, et dirit ille cora precepta, et legem vitae disciplinae. Deo gratias. Domine prevenissime menzioni voducedenis, poso vis in capitis condorapre precioso. Vitam pecietate et epoistie longitudinem livem in secundum seculi. Beatus Virgitim et Dominum in mandatus Ioscopit nimis, potens in terra edicim in nos, generario et in gratia rectorum et diceto. Gloria Divici in Domo Eus, et justitia Eus mag in seculum seculi. Venus Fabius Cum, Secrezia Sancti Evangelii, secondo Ioan, Matteum. Gloria Tibi Domani. Come se responsata Mater Ios e Maria Iosef, antequam convenirens, inventas in utero habens de Spiritu Sancto. Iosef ordem Virius, come se fussus, et non eteam traducere, volvit cot pote Dimitre eam. Regatem eo cogitante, ecce angelus Domini apparuit in somnis ei dicens, Iosef fili David, nori temere, a Cipre Mariam coniugem tuam. Quod illum illa natum est de Spiritu Sancto est. Pariat autem filium, et vocavis nomen eius Iesum. Ipsi enim salvum facet populum suum a peccatis eorum. Laus tibi Christe. Chers fidèles, un petit mot, nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Aujourd'hui, c'est la grande fête de Saint-Joseph. Il y en a plusieurs, il y a le 1er mai, mais c'est de moindre, importance, oui, on peut le dire. Le 19 mars, cette messe est en plus ancienne. Et voilà. Le titre de la messe, c'est que Jésus-Christ est époux. De Saint Joseph est époux de la Bienheureuse Vierge Marie, confesseur et patron de l'Église universelle. Alors, bien sûr, époux de la Sainte Vierge Marie, cela inclut le Père légal de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc son titre est finalement le plus important, comme celui de la Sainte Vierge Marie, étant Mère de Dieu, qui est la source de tous ses privilèges et de ses grâces. De Saint Joseph, c'est la même chose, c'est la relation avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et justement, cela fait de lui le plus grand saint après la Sainte Vierge Marie. Parce que la sainteté est déterminée par la proximité à de Dieu. Jésus-Christ étant Dieu, la proximité de notre Seigneur Jésus-Christ a déterminé la sainteté des personnages de son temps. Donc la Sainte Vierge Marie est la plus sainte, elle est la plus proche de notre Seigneur Jésus-Christ, puisqu'elle est sa mère et l'a portée 9 mois dans son sein. Mais Saint Joseph vient en deuxième place. Donc on peut dire sans crainte que Saint Joseph, et après Sainte Vierge Marie, est le plus grand saint, n'est-ce pas, de tous les temps. Il n'y aura plus personne qui aura sur terre cette proximité avec Dieu. Bien sûr, Dieu est un esprit, mais quand même, dans son humanité, il avait une personne divine.
Et ce n'est pas rien, n'est-ce pas, c'est infiniment grand d'être appelé par Dieu, par la personne divine, Père, et d'être l'enfant, finalement, qui est légitime de ce Père, pas biologique, mais légitime, parce que cet enfant est né dans son mariage, d'une manière légitime. Si Dieu intervient, c'est légitime, parce que Dieu est maître de l'univers. C'est un enfant légitime dans le mariage de Saint-Joseph. Enfin, il était fiancé, mais les fiancés, comme vous savez, dans l'Ancien Testament, valaient un mariage. Et le mariage, c'était plutôt la fête du mariage. Et les fiançailles étaient déjà le mariage. Alors, ce qui nous concerne, n'est-ce pas, il faut voir le plus possible ce que la Sainte Vierge Marie et le Seigneur Jésus-Christ on fait avec Joseph pour les imiter, parce qu'il faut imiter notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, imitons-le et voyons comment il a eu ses relations avec Saint-Joseph. Si notre Seigneur, Dieu, n'est-ce pas, il a cette relation avec Saint-Joseph, pour nous, c'est un minimum. Si Dieu déjà, n'est-ce pas, se soumet à Saint-Joseph, qui sommes-nous pour pas nous soumettre à Saint-Joseph? Saint-Joseph est donc un instrument libre, bien sûr, par son consentement, de la Sainte Providence. Et pour, dans le stade de l'incarnation et la rédemption, surtout de l'incarnation, parce que pour la rédemption, il est décédé juste avant la vie publique, notre Seigneur Jésus-Christ. Et on dit justement que la fête d'aujourd'hui, c'est le jour de son décès, qui est un jour très important. Justement, en général, les fêtes des saints sont le jour de leur décès, parce que le jour de leur décès, c'est le jour de leur naissance, mais dans la gloire. C'est un décès dans la nature, mais c'est une naissance dans la gloire, surnaturelle. Ils sont nés dans le ciel, dans la vie, vraie vie. La vie, pourquoi nous sommes faits, la vie définitive, la vie, pourquoi nous sommes créés, pourquoi nous sommes appelés. L'entrée dans le ciel, c'est comme une naissance dans un monde plus grand que celui ici, comme une naissance. Une naissance, c'est une entrée dans un monde plus grand. On sort du sein de la mer et on entre dans le monde. Voilà. Et c'est pour ça que les fêtes des saints sont souvent... le jour de leur décès, aussi à des fêtes, bien sûr, de la translation de leurs reliques et d'autres événements comme leur naissance, comme la naissance de Saint Jean-Baptiste, la naissance de Sainte Vierge Marie, etc. Mais habituellement, c'est leur décès, leur entrée dans le ciel. Saint Joseph, n'est-ce pas, est pour nous très très important. Il faut le vénérer. C'est une obligation. Donc, nous sommes obligés de vénérer des saints, surtout, bien sûr, la Sainte Vierge Marie, parce qu'elle est notre mère spirituelle. Eh bien, il faut Saint-Joseph aussi vénérer, parce qu'il est la même façon, il est notre Père, dans la vie surnaturelle. Puisqu'il est le Père de Jésus, et nous sommes Jésus. Nous sommes incorporés dans Jésus mystiquement, moralement. Nous faisons partie de l'Église par le baptême et par notre foi et par toute la vie, n'est-ce pas, religieuse. Et de cette façon, nous appartenons à notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre Seigneur Jésus-Christ est soumis à Saint-Joseph en tant qu'homme, bien sûr. Et nous devons l'être aussi, puisque nous sommes Jésus-Christ mystiquement parlant. Donc la raison pourquoi les pères de l'Église disent qu'il faut être soumis à la Sainte Vierge Marie, qu'on a reçu la Sainte Vierge Marie comme mère sous la croix. Jésus a désigné Marie comme mère de Joseph, de Jean. Jean l'évangéliste et Jean représentaient toute l'Église. Eh bien, c'est pour ça que voilà, les pères de l'Église disent que la Sainte Vierge Marie est aussi notre mère spirituelle, surnaturelle. Eh bien, nous pouvons suivre le même raisonnement, puisque Saint-Joseph était le père de Jésus, et nous sommes Jésus, je sais pas,
Nous sommes la Sainte Vierge est mère de nous, parce qu'elle est mère de la tête du corps mystique, elle est mère de notre Jésus-Christ physiquement, donc elle est mère à nous, désignée par le Seigneur Jésus-Christ expressément, mais aussi parce que c'est logique, nous sommes, selon saint Paul, incorporés en Jésus-Christ. Alors comment être alors envers Saint-Joseph? Eh bien, mettez-vous dans l'esprit de l'enfant Jésus. Il faut imiter l'enfant Jésus. Et notre Seigneur appréciait beaucoup cette imitation de son enfance, parce qu'il va y accorder même un privilège spécial. Il va dire à ceux qui l'honorent, comme le vénèrent comme enfant Jésus de Prague, il va dire « de plus que vous m'honorez, vénérez, de plus que vous serez favorisé ». Ça veut dire que c'est une dévotion favorite de notre Seigneur Jésus-Christ, de le vénérer comme enfant. Et alors, ça veut dire qu'il faut aussi l'imiter comme enfant. Vous serez comme des enfants. Si vous n'êtes pas comme les enfants, vous n'entrez pas dans le ciel. Et comment être dans enfants? Il ne faut pas être enfantin, mais enfant dans les vertus positives qu'un enfant puisse avoir. Et l'enfant par l'excellence, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, comment est-ce qu'il a fait notre Seigneur Jésus-Christ? Eh bien, bien sûr, il était en tant qu'enfant de Marie, il était dans le sein de la Sainte Vierge Marie, il dépendait de Marie, mais Marie était dépendante de Joseph, parce que Joseph était la tête de la famille. Donc, Marie était soumise à Saint Joseph, comme une bonne femme est soumise à son mari. Et ça, c'est l'ordre de la nature. Dans l'ordre de la grâce, elle était plus haute que Saint Joseph, bien sûr, c'était la mère de Dieu. Et c'est très curieux que celle qui est dans l'ordre de la grâce plus haute, elle est dans l'ordre de la nature, elle est soumise à une autre personne. Mais cela montre la grandeur de Saint Joseph. Il devait guider la Sainte Vierge Marie, et plus tard, après la naissance de son fils, n'est-ce pas, le divin, son fils dépendait de Marie, donc de Joseph. Donc de Joseph. On voit ça donc à Bethléem, et on voit ça dans le temple, la circoncision. On dit même que la circoncision est peut-être donnée par Saint Joseph. Il y en a qui disent oui, c'est par le prêtre, dans le temple. Le père pouvait le faire aussi. Et ensuite, après, n'est-ce pas, c'est pas la Sainte Vierge Marie, mais c'est lui, en tant que tel de la famille, qui a eu l'avertissement qu'il fallait fuir en Égypte parce que Hérode menaçait l'enfant Jésus. Donc l'enfant Jésus était totalement à la merci de Saint Joseph. Et sa Sainte Vierge Marie dépendait aussi de Saint Joseph parce que la femme avait besoin d'un homme, surtout en Égypte, un pays étranger. Et c'est une belle femme, n'est-ce pas? Une femme sainte, une belle femme, extraordinaire même. Donc, elle était en danger dans ce pays plutôt hostile aux Juifs. Donc, Saint Joseph était très nécessaire pour garder cette sainte famille intacte, n'est-ce pas? Jusqu'au retour à Nazareth. Donc, l'enfant Jésus dépendait totalement de Saint Joseph. C'est Saint Joseph qui décidait qu'on allait amener l'âne, que la Sainte Vierge Marie soit portée, qu'il allait comme ça, c'est lui qui indiquait le chemin, il était responsable. Donc Jésus, porté par la Sainte Vierge Marie, et Saint Joseph, mais Saint Joseph, c'est qui dirige la Sainte Famille, donc Jésus était totalement dépendant de Joseph, donc nous devons être aussi, en imitant Saint Joseph, être dépendant de Saint Joseph. Il faut lui poser la question en idée de la foi. Qu'est-ce que vous demandez de moi? Qu'est-ce que vous voudriez bien que je fasse? Donc, il faut l'imiter dans ses vertus. Faire comme Saint Joseph a fait, il nous a montré, bien sûr, notre Seigneur Jésus-Christ en premier lieu, mais aussi Marie-Joseph, ils nous ont montré l'exemple de la vie parfaite, la vie de sainteté ordinaire. La vie extraordinaire, ça veut dire la vie de vocation, de constitution d'une église, de faire un séminaire, c'est la vie publique de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais dans sa vie cachée pendant 30 ans, c'est la vie de la plupart de nous, n'est-ce pas, la vie quotidienne, eh bien, la Sainte Famille est un exemple qu'il faut imiter. Et Saint Joseph a la guidance,
il est le chef. Donc il faut, comme un petit bébé Jésus, se confier totalement à Joseph, totalement confiance, on est totalement livré à son agir, à sa sagesse, et aussi quand on est plus grand, comme Jésus, essayer de le suivre, de l'obéir. Jésus a appris le métier de charpentier de Saint-Joseph, quoique en tant que Dieu, il savait tout, mais en tant qu'homme, il n'avait pas l'expérience, donc il a voulu s'humilier pour obéir à deux créatures en tant que personne divine. C'est magnifique. Eh bien, si Dieu déjà obéit et se livre totalement, n'est-ce pas, dans son humanité à Saint-Joseph, pour nous, c'est un minimum quand même. Nous devons faire certainement la même chose, au moins. Si Dieu déjà l'a fait, nous devons se faire aussi. Voilà, donc, en même temps, donc, par cela, Joseph est patron de beaucoup de moments importants dans la vie. Il est donc patron de la famille, patron de l'Église. Pourquoi ? Parce qu'il était patron de la Sainte Famille. La Sainte Famille, c'était l'Église à l'époque. C'était le noyau de l'Église. Et il était l'autorité, il était patron de toute autorité, de tous ceux qui exercent l'autorité. C'est important parce qu'il y a beaucoup d'abus d'autorité actuellement. Donc Saint-Joseph est très important pour, par exemple, la restauration de l'Église. La restauration de l'Église se fera par un pape, par l'autorité suprême. Et c'est Saint-Joseph qui est responsable, en tant que patron de l'Église catholique et patron d'autorité, de la restauration de la papauté. C'est une affaire qui lui est confiée. C'est son affaire. Son affaire est aussi l'éducation, parce qu'il est éduqué dans Saint-Jésus-Christ. Son affaire est aussi le mariage, parce que c'est lui qui a fait le mariage le plus heureux. C'est lui qui est le patron qui nous aider à vénérer la Sainte Vierge Marie, parce que c'est lui qui est le plus proche de la Sainte Vierge Marie. C'est lui qui peut nous aider à vénérer l'enfant Jésus, bien sûr, c'est évident. Et voilà, il est le patron des métiers, parce qu'il est travailleur, parce qu'il a bien travaillé pendant toute sa vie. Il est le patron de la vie spirituelle, parce que vivre avec Jésus et Marie est une définition de vie spirituelle. Il faut apprendre, il faut demander à Joseph de vivre avec Marie, de faire tout avec Jésus et Marie. Et il est le patron de la vocation, parce qu'il a accompagné Jésus-Christ dans les vocations. On a besoin de vocations de bons prêtres, des évêques et des prêtres. Il est patron de la, et comme je viens de dire, de la bonne mort, parce qu'il est décédé dans les bras de Marie et de Jésus, n'est-ce pas? Donc, c'est un grand homme, n'est-ce pas, qui était préfiguré de l'Ancien Testament. Joseph, un des fils de Jacob, était vendu par ses frères à des Ismaélites qui l'ont amené en Égypte. Et là, il était enfermé parce qu'il était accusé de viol, mais c'est le contraire, c'est la femme de Potiphar qui l'a voulu séduire. Il a refusé parce qu'il était chaste, comme Joseph. C'est la figure de Saint-Joseph dans la chasteté. Et ensuite, puisqu'il pouvait expliquer les songes du Pharaon, ce qui a sauvé l'Égypte de la famine, il a été constitué le deuxième du royaume, ou plutôt de l'empire. C'était un empire, l'Égypte, c'était cet empire, un royaume très très puissant. Et voilà, de façon à ce que Pharaon dit aux personnes qui ont besoin de quelque chose, allez demander à Saint-Joseph. Eh bien, le bon Dieu fait la même chose. Si nous avons besoin de quelque chose, demandez ça à Saint-Joseph. J'ai délégué, Dieu aime déléguer. Eh bien, toutes les patronages que je viens d'énumérer sont délégués à Saint-Joseph. Vous voyez, Saint-Joseph est beaucoup plus important qu'on pense. Et c'est donc tout à fait convenable et normal que Jean 23 introduit le nom de Saint-Joseph dans le canon, parce que dans le canon a été introduit en fur et à mesure des années, des premiers siècles, surtout de plus en plus des noms, des saints, et surtout des martyrs, mais aussi de non-martyrs. Et cette introduction du nom de Saint-Joseph dans le canon a été faite après une enquête dans l'Église catholique. Et même Joseph Sarto,
celui qui va venir, Saint Pie X, était d'accord. Saint Pie X était d'accord que le nom de Saint-Joseph soit introduit dans le canon. Et ce n'est pas par hasard qu'il est introduit dans le canon maintenant, dans les années 60, où on a besoin de lui pour restaurer l'autorité. C'est la providence. Qu'on a besoin de lui, que dans la messe, on prie explicitement pour lui, dans le canon, et pour cause, parce que, justement, le plus grand mal, n'est-ce pas, de ce temps terrible et très, très dramatique, le pire que l'humanité ait jamais connu, parce que jamais un pape était absent pendant 60 ans, et avait un tel abus de pouvoir et d'une telle puissance, n'est-ce pas, par la technique, pour abuser du pouvoir, qu'on a le plus grand besoin, n'est-ce pas, de tout, c'est bien sûr notre Seigneur Jésus-Christ, mais par un pape, et la papauté, la restauration de la papauté appartient à la délégation que Dieu a donnée à Saint-Joseph. Voilà. Donc, il faut beaucoup prier Saint-Joseph. Si vous êtes dévoué de Saint-Joseph, vous aurez une bonne mort. Vous aurez la persévérance finale, parce que c'est la plus grande grâce qu'il voudrait bien donner, c'est la persévérance finale. La bonne mort, c'est le patron de la bonne mort. Donc, si vous priez tous les jours Saint-Joseph, vous serez déjà, et vous faites bien sûr votre possible pour tenir la volonté de Dieu, la connaître et la faire, il fera en sorte que vous ne mourrez pas sans l'état de grâce. C'est le patron de la bonne mort. L'idéal, c'est de mourir avec un prêtre à son chevet, comme lui, il est mort avec Jésus à son chevet et la Sainte Vierge Marie. Il peut nous obtenir cette grâce. Donc, c'est la grâce qu'il veut donner, parce que c'est la plus importante, mais il peut nous donner toutes les grâces, finalement, toutes les grâces, surtout celles dont il a pris les soins pendant sa vie terrestre. Chers fidèles, on ne peut jamais avoir assez de confiance en Saint-Joseph. Et Sainte Thérèse d'Avila, elle a dit qu'elle n'a jamais été déçue quand elle a prié Saint-Joseph. Prions ce grand saint, n'est-ce pas, pour obtenir la persévérance finale, et ensuite la restauration de l'Église, et tout dont nous avons besoin, n'est-ce pas, parce que tout le monde a des problèmes, tout le monde a ses quoi apporter, et que nous pouvons vivre convenablement sur terre et obtenir le ciel dans l'éternité. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in nomine Deum, Pater omnipotentem, Factorem caelum et terrae visibilium omnium et invisibilium, et nomen Dominum Iesum Christum Filium Dei unigenitum, et ex parte natum ante omnia saecula, Deum Deo lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem, nescendit et caelis, et incarnatus Spiritus Sancti ex mania Virgine, et homo factus est. Crucifixus et semper nobis, et sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit et salit secundum Scripturas, et ascendit in celum, sedet ad dexteram Patris. Et illum venturus est cum gloria judicati vivus et mortuos cuius regnum erit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex parte Filio qui procedit, qui compatet filio simul adoratur et cum glorificatur, qui locutus de prophetas, et unam, sanctam, catholicam, et apostolicam ecclesiam, confitior unum baptisme et remissione peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vita venturi seculi. Amen. Dominus vobiscum, cum spiritu tuo. Oremus. Veritas mea et misericordia mea commisso, et in nomine meo et habito donum eius.
Je suis fier de mon sort de tribunal Augusto Luis, je suis fier de mon pouvoir et de mon insoumis, pour toute l'étape et pour que l'on soit en train de jouer que l'essai sous le santé. Thank you.
Mia secola secolo vorremmo specie salutare i cosmonici di divina istituzione formale di Modicere. Padre nostro che in cieli, se sanctifici il nome tuo, advegna a te non tuo, ma fia bontà sua, se in cielo ed in terra. Padre nostro, così grande, non vi soli, limiti la miseria nostra, se credi nostri limiti, non si limiti la vostra stessa. Vedi noi nelle case in tentazione, ma... Se ti liberano, sono malo. Per ogni seconda e secondo una. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus executoris peccata mundi, miserere nobis. Agnus executoris peccata mundi, miserere nobis. Agnus executoris peccata mundi, Dona vos pacem.
Confite oggi onnipotenti, nati mari di Sant'Ere Vigili, nati in Caio e Arcangelo, nati in Battiste, Santità Apostoli Spirito del Paolo, Omnibus Santissimi di Pater, la Sottile Miscola e Fama dei Dottori, mia culpa, maxima culpa, il Dio che è Beata Maria, Sant'Ere Vigili, nati in Caio e Arcangelo, nati in Battista, Santità Apostoli Spirito del Paolo, Omnibus Santissimi di Pater, la Sottile Miscola e Fama dei Miséricorde, Jésus, impotence, Dieu, c'est mis sur le cas de Jésus, espère que tu as la vie éternelle. Amen. Inugence, c'est un homme, mais c'est un pécateur, le vestiaire, un pied, le barbis, omnipotence, et miséricorde. Amen. Et tu es le Dieu, tu es le pécateur, mon Dieu. Et en même temps, son Dieu, c'est un très protecteur, mais on s'attend à un big verbe, ça n'a pas été le même. Domine non sum dignus et inter subtecto meum, sed tantum dic ferro et sanabitur anima mea. Domine non sum dignus et inter subtecto meum, sed tantum dic ferro et sanabitur anima mea. Joseph, fille de David, nous étions à Chypre et Maria, conjugem tua, quod enim ine anatum est, disputa sancto est. Dominus Fabiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Adesso nobis Christus misericors Deus, in discidente pro nobis beato Iosef confessore, tua circa nos propiziatus dona custodii. Per la vola simis qui sum fium tuum pede convivite renatitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Vos nos Domini perceptio sacramenti mundet et crimine, et accelesa grena perugat. Perdamu nos misi Jesu qui sum finum tuum pete convivit et unitat per Spiritu Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.
Adelas obiscum. Et cum spiritu tuo. Et emissa est. Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum. Et cum spiritu tuo. Benito Sancto Evangelio secondo mio nome. Gloria a Tibi Domine. E principio da per breve, per lo tempo di Evangelio, e sempre di me. O che ci si capo di me, e ci si capo di me. E ci in ipso factimest, e partimest. E in ipso vitae, e la per vita, e l'examinam. E lux in tenebis, lux in tenebrem, comprendivos. Ovis congresses a Deo, come rationis, e vinte Simone, vete Simone, per liberet, e di numeros homens, crederam, per il nome. On est là, il est sur le Simon, il est bien illuminé. Il est là, 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 il est Ave Maria, sancta 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 Maria, Ave Maria, sancta 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 Maria, Dunque in ora mortis nostri. Salve Regina, Madre Misericordia, vita del cielo, per la nostra salve. A te clamamus, exules fidi. A te sospiramus, gemens, defensa la cacremavam, vale. E ergo, advocata nostra, illos tuus, vigi, ricordes, oculos, annos converti. Et Jesu, metio fructu, ventris tui, nobis, post sectionum ostende. O clemens, o pia, dulcis, Virgo Maria. Ora per nobis, sancta Dei, genetrix. Udi mi, vitiamo, promissionibus Christi. Oremus, Deus, forza, nostrum, et vitus, popate, clamate, et propitiis, et spicem. Et l'intercedente glorieux, ma carte invisible de Jésus Maria, comme beato vos avis, sponsor, beato portus, tu esprit, le pape, nous sanctis. Quas pro conversione, vegatorum, pro libertane, sondation, sainte, vase, grise, prece, defundimus. Misericors, et mine, exaude, brancis, mine, dominus, tam. Amen. Sainte, mine, carré, defendu, pero, comme exime, sitio, zeure, presidium. Impretire Deus, suficit de pecam, mort, que princes, mechelis, et sa vos supplices, malignos, que vite, sanem, animal, pervert, in mundo. Divina virtute in inferno de Amen. Curios gratissimo. Miserere nobis. Curios gratissimo. Miserere nobis. Curios gratissimo. Miserere nobis.